Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc je vous fais cette vidéo en deux parties comme je vais au Portugal et que je ne peux pas tout amener dans l'avion, donc je paye un transporteur pour m'emmener donc tous mes DVD et mes fringues et tout. Donc là je vous fais déjà tout ce que j'ai reçu jusqu'à aujourd'hui. Et quand je recevrai le reste, je vous le ferai en vidéo. Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé à Boulanger, donc Moonraker, donc un jazz, de James Bond avec Roger Moore, donc un très très bon James Bond qui se passe dans l'espace. Voilà, donc je vous lis ce qui a marqué. Le vol top secret de navette Moonraker en direction de la Grande-Bretagne a attaqué, l'engin disparu. Le MI6, donc le groupe qui s'occupe, donc le groupe des 00. Donc il demande à Bond de le retrouver, donc il va se confronter encore à plein d'ennemis, dont celui qui allait là où vous chante mais en argent là. Je m'en vais plus ton. Ouais, ça me reviendra. C'est lui, donc ça se passe entre Rio et Venise. C'est le premier qui a eu, on va dire, beaucoup d'argent. Donc un très très bon James Bond. Voilà, pas le meilleur, mais très très bon. Et ensuite, que j'ai trouvé sur Amazon. Donc celui-là, je l'ai payé 6,99 mon drapeau. Opération Tonnerre. Voilà, avec Sean Connery. Voilà, donc un très très. Celui-là, un très très bon James Bond. Tous les James Bond de Sean Connery, c'est mes préférés. Voilà, donc celui-là très très bien aussi, que j'ai vu j'ai vu l'autre fois, il n'y a pas longtemps. Donc celui-là, c'est l'organisation criminelle, donc le Spectre. Ils ont détourné un avion de l'OTAN, mettant la main sur deux bombes atomiques. Et une attaque nucléaire menace les États-Unis, la Grande-Bretagne. Tous les agents 00 sont mobilisés de James Bond. Donc James Bond est en tête. Voilà, donc un très très bon James Bond. Voilà, que je conseille. Donc bien restauré, le son donc 5.1. Donc remasterisation image par image, donc les commentaires audio. Donc un très 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 bon film. Voilà, que je conseille aussi. Ensuite, que j'ai acheté 3 euros. Donc étant un grand, donc avec mon acteur préféré qui est donc Leonardo DiCaprio, j'ai acheté Simple Secret avec Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Diane Keaton et Robert De Niro. Donc très 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 bonne histoire, voilà. Donc c'est l'histoire de Lee, donc de Lee et sa sœur Bessie, donc qui ont coupé les ponts. Ils sont indépendantes et fières. Elles élèvent seules leurs deux garçons, donc Charlie et Hank. Donc Hank, donc Leonardo DiCaprio, est enfermé dans un institut psychiatrique pour divers actes de délinquance. Lee le retire du centre pour l'amener en Floride lorsqu'elle reçoit un appel de sa sœur malade. Désolé pour mon téléphone, parce que là j'ai encore changé de téléphone comme le mien est tombé en panne, donc j'ai pris un téléphone, donc un téléphone un peu pas terrible, donc c'est pour ça qu'il tombe tout le temps, donc désolé. Donc un très très bon film, un des premiers rôles de Leonardo DiCaprio, mais il jouait très très bien dedans. Ensuite, pour 3 euros, l'édition spéciale de DVD de Collateral avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Donc je l'ai vu une fois à la télé. Donc c'est l'histoire de Tom Cruise qui va prendre un otage le taxi de donc le taxi de Max pour ses 5 arrêts, donc ses 5 cibles. Et donc 5 cibles, voilà, donc après à la fin il se passe une très 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 bonne fin, donc vraiment un bon film que j'ai vu il y a très longtemps.
Et j'avais décidé de racheter, voyez, double DVD. Que j'avais décidé de le racheter pas très cher, donc j'ai trouvé un très très bon DVD. Très très bon film d'action et tout. Donc, fait par Michael Mann. Donc une référence dans les films comme ça. Ouais, donc très très bon. Ensuite, un de mon film préféré de 2014, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Un film magnifique, franchement. Avec Terence Winter, voilà, mais un film magnifique, Agent du Jardin aussi qui joue un peu, qui fait une apparition dedans. Voilà, un très 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 bon film, magnifique. Ah, si vous l'avez pas vu, allez-y, hein, c'est du Leonardo DiCaprio, vraiment il est magnifique dans ce rôle. Voilà, donc fait encore par Martin Scorsese. Donc, très très bon film. J'ai vu donc plein de gens qui avaient acheté, mais j'avais pas eu le temps de le voir au cinéma. Je l'avais vu, je l'avais téléchargé, je l'avais vu. J'avais vu, franchement, j'avais adoré. Comme j'ai eu de l'argent, j'ai vendu tous mes coffrets de catch. J'en ai eu marre. Comme je regardais plus, j'avais tout vu. Donc j'allais les vendre. Donc je me suis fait de l'argent. J'ai acheté ça. Donc j'ai acheté Le Loup de Wall Street, donc tout neuf. Il était sous blister. Donc 19,80. 19,90, pardon. Donc très 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 bon film, voilà, que je conseille. Voilà, magnifique. Ensuite, sur Amazon, pour 8,99. L'Ultimate Edition, donc Ultimate Edition, édition limitée de Gatsby, magnifique, avec le Blu-ray, plus le DVD, plus la copie numérique. Vous voyez, donc c'est un peu en relief. Voilà, derrière, pareil. Là, voilà, ça se présente comme ça. On ouvre le Blu-ray et le DVD et la copie numérique. Voilà. Donc, pas encore vu le film. C'est dans la lignée de. C'est un film un peu, on va dire, d'un romantique, un peu, voilà, un film romantique. Voilà. Donc, c'est fait par le réalisateur de Roméo plus Juliette et Moulin Rouge. Donc, Roméo plus Juliette, qui est vraiment un très très bon film que j'avais vu il y a très longtemps à la télé. Donc, Gatsby magnifique. Donc, un film très 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 bien. Vu les critiques que j'ai vues, bon, j'ai pas été le voir au cinéma non plus, parce que je disais j'achèterai en DVD, donc voilà. Donc je vais dire ce qu'il y a derrière. En 1922, Nick Carraway, donc Toby Maguire, s'installe dans la banlieue de New York et devient le voisin du régime Jay Gatsby. Gatsby donne de magnifiques et inoubliables soirées, mais Nick ignore tout de cet homme. Ignore tout de cet homme. Sujet dans les plus folles rumeurs, qui est Gatsby? Donc dans l'histoire, on va comment découvrir Gatsby, comment il est devenu riche, voilà, et voilà, on va le connaître personnellement, et pourquoi il est comme ça et tout. On va donc acheter 8,99 sur Amazon. Ensuite, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc Gang of New York, avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Cameron Diaz. Un très très bon film. Voilà, donc c'est l'édition Warner. J'ai trouvé à 4,98. Je vais ouvrir le blister. Donc voilà, donc la jaquette. Voilà. Hop. Je crois que je vais enlever la jaquette parce que bon, elle est pas très 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 belle avec le truc blanc et tout. Je crois que je vais l'acheter, je vais garder juste ça. Voilà, donc très très bon film, Gang of New York. Un film magnifique, très très bien sur au bord de la guerre de sécession à New York, la corruption a peu gagné tous les dirigeants politiques. L'un des quartiers les plus pauvres de la ville est la proie de la guerre des gangs. Voilà, ça, c'est la guerre des gangs. Donc Leonardo DiCaprio va perdre son père à cause de lui, qui va le tuer comme il avait voulu, comme il l'avait défié. Et donc Leonardo DiCaprio va aller le voir et va faire un peu exprès de vouloir être dans son clan, dans son gang. Et après il va le défier à son tour. Voilà, donc ça fait
Un film vraiment très très bien. Hop, désolé. Un film vraiment que je conseille, voilà. Donc très très bien sorti, fait par donc Martin Scorsese. Ah, très très bon. Voilà, donc achetez donc 4,98 sur Amazon. Allez-y, il est toujours. Je vous conseille à ce prix-là. Ensuite, Mensonge d'État. En revenant du Portugal, je pense que mon histoire de téléphone sera réglée. Donc ça sera mieux pour faire les vidéos. Donc, Mensonge d'État avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe. Un fait par Ridley Scott, donc très très bon film, un excellent thriller. Voilà, donc hop, on va enlever le blister. Voilà. Et donc c'est un DVD tout simple, hein. Pas de fourreau. Et acheter celui-là 6,88. Voilà, donc un très très bon film là, que j'ai pas vu encore. Donc que la CIA traque le chef d'une organisation terroriste à l'origine d'une vague d'attentats. Roger Ferris, le meilleur agent sur le terrain, circule de pays en pays afin d'essayer d'avoir une longueur d'avance sur des événements imprévisibles. Via une connexion satellite, un œil dans le ciel surveille Ferris en permanence. À l'autre bout du fil et en temps réel se trouve l'agent de la CIA, Ed Hoffman, qui dirige et coordonne à distance les opérations. À mesure que Ferris s'approche du but, il apprend que la confiance peut être aussi dangereuse qu'elle est nécessaire à la survie. Donc, un très très bon film, voilà. Que j'achète donc avec pour Leonardo DiCaprio. Un de mes acteurs préférés. Tous ces films sont. Dans tous ces films, il est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc, très très bon, voilà. Voilà que je conseille. Voilà. Très très bon thriller, voilà. Je conseille. Et ensuite, le dernier. Le dernier que j'ai reçu là ce matin. Là. Donc le dernier qui est Basketball Diaries, très très bonne biopic sur donc c'est une biopic sur j'ai oublié le nom avec hop, on enlève le blister. Voilà. Donc Basketball Diaries avec Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Lauren Bracco, Ernie Hudson et Juliette Lewis. Voilà donc un très très bon film. Voilà donc une biopic sur j'ai oublié son nom. Mais donc ça raconte l'histoire de unis par une solide amitié et une passion commune pour le basket, Jim et ce copain arrivent à l'âge des premières confrontations aux dures réalités de la vie. Jim tient son tournoi intime, mais ni l'écriture ni le sport ne l'empêchent de devenir accro à la drogue. Renvoyé de l'école, mis à la porte de chez lui, il entame une longue descente aux enfers. Un très très bon film aussi que j'avais en VHS. Et que, comme je n'ai plus mon lecteur VHS, que j'ai dit que j'allais racheter. Donc voilà, j'ai racheté. Donc je l'ai eu à 7 euros et 4,2 centimes, je crois, ou 7 euros pile. Voilà, un très très bon film, voilà, que je conseille. Si vous aimez biopic et voilà, allez-y, franchement, un très très bon film. Rien à dire, là. Leonardo DiCaprio est vraiment bouleversant dans le rôle de Jim. Donc voilà. C'est fini pour la première partie. La deuxième partie, je la ferai dès que je recevrai tout. Là, il me manque encore, il me manque déjà 4 films déjà que je vais aller chercher chez mon vendeur demain. Ensuite, il manque 3 films qui vont venir par Amazon. Voilà, donc déjà 7 et 7 et après si je trouve d'autres sur mon vendeur. Donc voilà, donc je voulais vous dire, laissez un commentaire si vous avez aimé cette vidéo et voilà, donc je vous dis bon visionnage et à la prochaine pour la deuxième partie. Salut!